les amis, j'espère que vous allez bien. Comme moi, vous pouvez l'entendre, je suis malade. Voilà, je dis malade. Je suis un peu prise du nez. Voilà. Nous sommes le 10 novembre. Il est 13h47, donc je commence entre guillemets tard ce vlog, puisque d'habitude je le commence le matin. Mais cette nuit, j'ai passé une nuit catastrophique. J'ai énormément de mal à trouver le sommeil la nuit. Donc du coup, cette nuit, je me suis endormie. Il était 3h30. Pour me lever à 7h ce matin, c'était un peu compliqué. Et en plus, je me suis réveillée dans l'état où je suis là. Et encore, là, ça va, je suis debout. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des vitamines, j'ai pris du miel. Enfin, j'ai pris plein de choses pour me remettre en forme. Mais ce matin, en gros, j'étais prise du nez comme là. J'avais des frissons. Je toussais, enfin... J'étais pas bien du tout, là j'ai toujours un peu, je suis enrouée en fait, j'ai pas une toux, voilà, ça me gratouille un peu dans la gorge, mais voilà, ce matin c'était bien pire que ça. Donc du coup ce matin j'ai pas vlogué, clairement ce matin je me suis reposée, j'ai dormi, parce qu'entre la très courte nuit que j'ai passée et mon état physique de ce matin, je me suis dit ça sert à rien, je vais pas vlogger. Je vous avais même mis un message sur mon Insta en vous disant que il y aurait pas de vlog les prochains jours parce que bah, j'étais pas bien. Mais en fait, comme là je suis debout et que j'avais envie de vlogger, je me suis dit bon, j'ai quand même la force, j'ai l'envie, ça serait dommage de pas le faire. Voilà, donc du coup je vlog, voilà. Roxane est avec moi puisqu'on est l'après-midi, mais de toute façon ce matin elle n'a pas été à l'école puisque c'est pareil, Roxane tousse bien comme il faut, elle a le nez qui coule, qui coule, qui coule, et cette nuit c'est pareil, elle a pas vraiment bien dormi, elle a dormi dans son lit mais on l'entendait geindre toute la nuit avec Mathieu. Donc on va dire vers 1h30 elle a commencé à dormir profondément, mais avant c'était pas un sommeil réparateur. Je me suis dit je vais jamais réussir à la lever à 7h30, c'est pas possible. Donc ce matin elle s'est réveillée, il était 6h, donc on lui a donné un biberon et on l'a recouchée. J'ai dit c'est pas grave, je la mets pas dans l'état où elle est, ça servait à rien non plus. Donc ce matin elle est restée avec moi, elle a dormi jusqu'à 10h30. Et du coup, comme elle n'a pas été à l'école, entre guillemets, c'est moi qui l'a fait travailler parce que vous savez que Roxane, elle est très longue dans tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression... Ah, c'est méchant, entre guillemets. C'est méchant un peu ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Roxane n'avance pas à l'école et qu'elle apprend pas grand-chose. Parce que Roxane, quand elle a décidé que non, c'est non. Voilà, vous commencez à la connaître maintenant. Roxane a un caractère comme ça, donc je me suis dit, mince, à l'école, elle n'avance pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à 3 ans, puisque Roxane a 3 ans depuis le 27 août, qu'elle savait déjà compter jusqu'à 9. En fait, ce matin, je lui ai mis la maison de Mickey à la télé. Et vous savez qu'à la maison de Mickey, il faut souvent compter. Voilà, et là, en fait, il fallait compter les moutons. Et elle comptez avec Mickey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc ça, elle sait le faire, voilà, elle sait chanter des chansons puisqu'elle a regardé Thalia aussi. Et vous savez, Thalia, c'est un petit dessin animé où ça chante beaucoup et le générique c'est « Abrace-moi mon ami », voilà. Il chante et en fait ce matin je somnolais un peu et je l'ai entendu chanter « Abrace-moi mon mamie », voilà, comme Roxane peut parler. Donc je me dis qu'en fait... elle avance à son rythme, mais en fait à la maison ça rend pas spécialement compte. Donc du coup ce matin je l'ai fait un petit peu travailler. Quand j'ai entendu qu'elle chantait, quand j'ai entendu qu'elle comptait, je me suis dit c'est le moment. Donc je me suis levée ce matin et donc du coup on a compté les capsules de café ce matin. Donc effectivement elle s'est bien comptée jusqu'à 9, il n'y a pas de problème. Donc je suis super contente. Bon, des fois il y a des ratés, hein. Je vous dis pas qu'elle compte à 9 comme ça du premier coup. Des fois il y a des ratés, ça passe de 4 à 6. Mais Sarah me l'a fait très longtemps de faire 4-6 et le 5 on l'oublie, voilà. Mais sinon elle s'est comptée jusqu'à 9, donc je suis super contente. Et donc du coup là tout à l'heure on a fait un petit peu des puzzles en bois avec les animaux, avec les formes, etc. Je vous passe tout de suite la petite séquence de puzzle avec Roxane. Miss, tu fais mon trésor. Ça c'est une tortue, ouais. On fait le puzzle. Vas-y. Hop. Et hop. Vas-y. Oh, tous, hein. Alors, le requin. Il va où, le requin? Là. Ouais, la baleine. La baleine? Ouais, la baleine. Là. Très bien. La tortue. Ouais, la pieuvre. La pieuvre? Ouais. Oui, le poisson. Poisson?
Ouais. Va où le poisson? Allez, les voitures. Un petit peu plus dur. Plus dur, les voitures. Alors, elle va où celle-là? Là. Oui, vas-y. Oui, après. C'est laquelle qui va là? Là. Vas-y. Oui. Là. Vas-y. Bravo. Après. Là. Vas-y. Essaye. Là. Ah, change. Oui, bravo. Forte, hein? Bravo. Là. Vas-y. Ouais, bravo Roxane. Allez, maintenant on fait les animaux. Attends, on va pousser tout ceux-là là, que tu as déjà fait. Attends. Hop là. Allez, vas-y. Hop, hop, hop. Allez, on met le lapin. Il est où le lapin? Lapin. Très bien. On met la souris. Souris. Bravo. On met la tortue. Tortue. Bravo. Là. Ouais, on met le chat. Chat. Oui. On met le poisson. Poisson. On met le chien. Le chien. Le chien, le chien, le chien, le chien. C'est pas le chien. Le chien. Le chien. Oui. Et maintenant le Pio. Perroquet. Perroquet. Non, perroquet. Perroquet. Bravo, t'as tout bon. Trop forte. Donc voilà, vous voyez que Roxane se débrouille très très bien, elle connaît ses animaux bien comme il faut, elle sait les reconnaître, elle sait remettre au bon endroit. Donc du coup ce matin je l'ai fait un petit peu travailler vu qu'elle n'était pas à l'école. Voilà, donc du coup vu que je l'ai pas mal sollicité ce matin, là elle est dans le canapé tranquillement en train de regarder Mickey, voilà. Et moi, bien qu'il soit presque 14h du coup, je vais m'activer pour aller faire bon ménage. Je vais quand même essayer de me trouver dans les médicaments des gouttes et essayer de trouver du sirop pour Roxane pour qu'on se remette d'aplomb toutes les deux, parce que franchement on est HS, voilà. Mais c'est pas grave, ça va remonter. Je pense que moi le fait d'être tout le temps à la maison, de très peu sortir en vue du confinement, même si j'ai l'impression qu'il y a moi qui le fais et que personne le respecte, mais c'est pas grave, au moins j'aurai rien à me reprocher. Hier en fait on a été à l'école à Sarah parce qu'on avait rendez-vous avec sa maîtresse pour le bilan, vous savez, de CP, des évaluations de CP. La maîtresse voulait nous faire le bilan avec Sarah, alors tout va bien, elle est tout à 100%, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un détail, mais Sarah, tout va bien, il n'y a aucun problème, ça va plus que bien. Elle a un niveau CE1, clairement, la maîtresse nous l'a dit, Sarah, c'est pas une CP, c'est une CE1. Donc du coup, il n'y avait eu aucun souci. Mais en fait, le fait d'être toujours enfermée à la maison, ça va faire bientôt 2 semaines, jeudi, ça fera 2 semaines, où je sors très peu. Et là, le fait d'avoir été à l'école, je pense que j'ai chopé un coup de froid, tout simplement. En fait, le fait de rester confinée, mon immunité, elle se fait pas grandement, quoi. Voilà, donc je pense que c'est le fait d'être sortie. Du coup, j'ai attrapé un petit coup de froid, mais rien de bien méchant. Maintenant, j'arrête de vous parler parce que j'arrête pas de blablater depuis tout à l'heure. Je me mets au ménage et je vous retrouve juste après. Non mais les amis, quand je vous dis que Ruben, il est infernal et chiant, il est infernal et chiant. En fait, vous savez, on a une barrière là. Voilà. Que Ruben arrive à ouvrir. Il faut absolument que Mathieu me trouve un système pour pouvoir me fermer cette barrière et que Ruben ne puisse plus aller dans les chambres. Parce que normalement, il n'a pas le droit d'y aller, mais il y va quand même. Ah bah là j'étais en train de faire mon ménage, donc de passer l'aspirateur et tout. Et là j'arrive dans ma chambre pour aspirer la chambre. Monsieur Ruben était parti dans le sac qui est là. Donc j'avais mis en fait par terre à côté du lit, du côté à Mathieu en fait. Parce que comme ça c'était dans notre chambre. Les filles ne vont jamais dans notre chambre parce qu'elles savent que c'est notre endroit à nous. Voilà. Donc les filles ne vont jamais dans notre chambre. Et les chiens ne sont censés jamais y aller. Voilà. Et en fait donc je l'avais posé par terre. Et en fait dans ce sac il y a les chocolats de Noël, voilà, qu'on avait acheté à l'avance. Monsieur Ruben n'a pas trouvé mieux que d'aller dans le sac et d'aller me bouffer un Père Noël en chocolat. C'est pas comme si que le chocolat c'est hyper mauvais pour les chiens, voilà.
Je me dis, il est dans la chambre à côté du lit, c'est beau, il va pas le bouffer. Personne ne va y toucher, ni les enfants, ni les chiens. Et bah si, Ruben, il a pas trouvé mieux que d'aller me bouffer un Père Noël au chocolat. Donc bien évidemment, pour le coup, il est puni. Voilà, là il est tout seul, dans le gourbi. Ici, là, je l'ai enfermé, il est tout seul. Voilà, il est puni pour l'après-midi, parce que là, je suis pas d'accord du tout. Et quand je vous dis qu'il est enfermé, il est pire qu'un môme. Pire qu'un môme. Bref. Bon, du coup, j'ai fini mon petit ménage. Donc, du coup, je vais aller mettre Roxane au bain. D'ailleurs, Ruben n'est pas dans le noir. Hein. J'ai laissé la lumière. Voilà. Pour info. Je vais aller mettre Roxane au bain. Et puis, après, moi, je vais aller me faire une petite douche. Je pense que ça va me faire du bien au nez. J'ai déjà le nez hyper rouge. J'ai mis du labello et tout pour essayer que j'aille pas trop mal au nez. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Vu tout ce que je me bouche dans la journée. Voilà. Roxane. Roxane. Roxane, on va au bain? Oui, c'est ça. On y va? Roxane, on y va? Je m'en fous, maman, je joue à la patte patrouille. Roxane, on va au bain? Oui. Allez, c'est parti. On y va? Allez, bon. Et qu'est-ce qu'on dit? La patte patrouille part en mission. Ouais. Tu boudes? Oui. Aïe! Allez, tiens, maman. Oh, maman pleure. Qu'est-ce que tu fais? Pousse! Ah, Doug, il est jaloux. Regardez-le. Roxane, Doug, il fait un câlin. Doug, il fait un câlin. Alors, on n'a rien à péter. Bon, faut que j'aille faire ma douche, les amis, mais là, j'ai un coup de moins bien. Vous savez, quand vous avez des états grippaux, là, comme là, un coup, vous êtes bien, un coup, vous êtes pas bien. Un coup, vous êtes bien, un coup, vous êtes pas bien. Quand c'est pas Ruben, c'est Doug. Non, mais regardez-le, quoi. Et bah, du coup, là, j'ai un coup de pas bien. Mais je pense que c'est pour ça que Doug me fait des câlins. Je pense qu'il sent que je suis pas bien. Donc, du coup, voilà, il pose sa tête et il me fait des gros câlins. Hein? Oh là là. Fait des câlins, sa maîtresse. Le pire, c'est qu'il est debout, hein. Regardez, il a juste posé sa tête. Oh, nos amis les bêtes. Hein, c'est vraiment gros, Doudou. Ah non, j'aime pas que tu me lèches. T'as une grosse langue. Ah, carrément, quoi. Aïe, doucement. Ça fait mal. Mais non, mais gros, t'es pas un petit chien. Mais regardez-moi ce gros bébé. C'est vraiment un bébé, ce chien. Le problème de Doug, c'est ça. C'est qu'il se prend pour un petit chien. Oh, regardez, il est monté là pour me faire un câlin. Oh, gros pépère. Oh, mon Doug. Oh. Le marchandage avec Roxane. Tu veux les octonautes? Oui. Un bisou. Non mais... Un bisou. Non. Bah pas d'octonautes. Un bisou.
Un bisou. Je m'en... Encore. Encore, plein. Plein, encore. Non. Oh, monsieur. Oh, non. Un gros bisou. Encore. Me fait plein de bisous. Je mets les octonautes. Allez, je mets les octonautes. Je suis désolée, les amis, je brille en dessous. Mais je me suis mis à mort du labello pour pas avoir mal au nez. Bon, les amis, les filles sont rentrées. Mathieu aussi. Mathieu, un petit peu plus tard que tout le monde parce que du coup, il a été à la pharmacie et puis vite fait au magasin. Oula, ça crie. Ouais, on va même pas m'entendre parler. J'ai essayé de trouver le bouton justement. Il a été au magasin pour aller chercher de l'huile pour le repas de ce soir puisqu'on mange des chèvres chauds ce soir. Donc c'est monsieur qui cuisine et heureusement parce que là je suis claquée là. De toute façon j'aurais cuisiné même si c'était pas moi de cuisiner. Hein. Oui non, mais là encore plus je crois. Oui là. Du coup le canapé il est complètement démonté parce que Roxane a eu la bonne idée de faire pipi sur le canapé. C'est la journée des bêtises entre Ruben et Roxane, tout va bien. C'est normal quand on est malade, de toute façon, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est là qu'ils vont faire toutes les conneries du monde. Voilà, donc je sais pas si Sarah elle est sortie du bain ou pas, mais elle était au bain tout à l'heure. Je sais pas. J'entends pas Raphaël, donc soit elles sont toutes les deux, soit Sarah fait son bain, Raphaël attend, je sais pas. Mais en tout cas, elles sont rentrées et puis elles sont par là-bas. Voilà. Bon les amis, la fin de soirée est compliquée, enfin la soirée de soirée, il est 8h15, moi je suis toujours mal fichue, Roxane est aussi mal que moi, sauf que bah elle gère comme un bébé quoi, enfin comme une enfant de 3 ans, donc elle gère pas très bien, donc du coup elle pleure, elle a pas voulu manger, enfin voilà, elle est pas bien, donc du coup moi qui est déjà pas mal fatiguée, où je suis au bout du rouleau, je vous avoue que d'entendre pleurer comme ça, c'est pas évident, je suis fatiguée. Mais c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Raphaël et Sarah sont partis regarder Mickey, je crois, le Noël de Mickey, je crois, un truc comme ça, en DVD dans la chambre de Raphaël sur le canapé, enfin sur son canapé lit là. Ils sont partis regarder ça tranquillement dans leur chambre et puis moi bah je regardais un peu les infos mais bon. Mis à part le virus, ils parlent pas de grand chose d'autre. Voilà, donc je sais pas trop ce qu'on va faire et je sais pas si ce soir je regarde le film de la Une parce que c'est comment Manifeste. Ça s'appelle Manifeste. On a déjà vu la première saison. Sauf que comme moi j'ai une mémoire de poisson, je sens que je vais rien suivre de la saison 2 parce que tant que j'ai pas vu le dernier épisode de Manifeste de la première saison, je vais plus du tout savoir où on en est. Enfin, je sais pas du tout si je vais regarder ça ou si je vais aller me coucher parce que je suis tellement fatiguée que je vais peut-être aller me coucher. Voilà, j'ai déjà pris des médicaments. Roxane, on va lui donner les siens aussi. Et puis, ça sera pas mal déjà pour aujourd'hui. Sachant que demain, Mathieu, il est là parce que c'est férié. Donc ça, c'est cool. Je sais pas. On va bien voir ce qu'on va faire. On verra. Regardez. Monsieur Hibou, il prend soin de sa hiboute. Il m'a fait une petite soupe. Bah oui, parce que sinon, il boude. Ah, c'est pourri ta blague. Ah, j'en peux plus les amis, du coup j'essaie toutes les techniques de grand-mère possibles et imaginables. Et en plus, comme j'ai froid, je vais boire une petite soupe. Vous savez, c'est soupe instantanée là. Bon là, c'est aux légumes et aux pâtes.
Ça devrait peut-être me rebooster un coude, hein. Pourquoi pas. On verra bien. C'est de pire en pire, ma tête. Je suis désolée, les habits. Franchement, ça doit pas être agréable pour vous. Roxane, elle est là. Elle pleure plus. Hein, mon petit chat. Elle a rien à péter de moi. Mais elle pleure plus, c'est déjà ça. Bon, les habits, il est 11h30. On a fini de regarder Manifeste, c'est ça qu'on a dit? Ouais, du coup, on a quand même réussi à raccrocher, donc tant mieux. Du coup, on a regardé ça. Les filles, elles ont regardé leur petit dessin animé dans la chambre. Il y a à peu près une demi-heure maintenant qu'elles sont couchées. Mis à part Roxane, alors qu'elle a du sirop dans le corps et qu'elle a du Doliprane, mademoiselle ne dort pas. Tout va bien et qu'elle a à peine dormi aujourd'hui. Tout va bien. Donc du coup, bah, vu qu'il est 11h30, je vais clôturer ce vlog. Aller prendre mon Fervex et passer une bonne nuit en espérant que demain, ça aille mieux que là. Ah, t'as réglé l'horloge, mon chat. En espérant que demain, ça aille mieux que là parce que bah, là, c'est un peu en dents de scie. Tout à l'heure, ça allait... Enfin, je vous ai vlogué, ça allait pas trop. Après, ça allait à peu près. Et là, ça redescend. Ruben, tu me fais mal avec tes griffes. Hop là, pousse-toi. Donc du coup, c'est un peu galère. Donc là, je vais aller prendre goutte dans le nez, Fervex. Et je vais aller me coucher. Et en espérant qu'avec une bonne nuit, ça aille mieux. Voilà, donc si vous ne me voyez pas demain, vous aurez compris que ça n'ira pas mieux. Voilà. Il faut aussi qu'avec Mathieu demain on tire au sort le gagnant des gargouilles, donc les petites boules de lessive là que je vous ai présentées dans une vidéo. Faut que demain je tire au sort pour que je puisse prévenir à l'un ou l'une d'entre vous qui l'a gagné. Voilà. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous laisse là, je vais aller me reposer. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé ce vlog et d'avoir tenu jusqu'au bout avec cette tête et cette voix et ce nez qui me gêne. Voilà. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain en espérant, croiser les doigts, que ça aille mieux pour moi. À très vite les amis.